Attends, j'y crois pas. Tu pulvérises leur corps le jour de ton départ. C'est pour vous laisser un petit souvenir. Tu peux l'encadrer, le chrono, là. Il servira plus, Polo, c'est fini. Où c'est qu'il est, mon petit Daniel, là? Alors, comme vous le savez, mon petit Daniel m'a présenté sa démission hier au soir. Monsieur quitte le monde des deux roues pour celui des quatre roues. Il suit ainsi l'évolution inverse de l'homme qui débute à quatre pattes et qui finit noblement sur ses deux roues. Mais je veux qu'il sache que c'était le meilleur d'entre nous. Et surtout, surtout, un camarade exemplaire. Et tu vas beaucoup nous manquer, tu sais. Excuse-moi, Lily, tu m'as embrassé ou tes lèvres ont glissé? C'est pas que ça me dérange. Hein. Mais alors là, je sais plus quoi penser. C'est plus clair, là? Ouais. Ouais. Parce que là, si t'as encore glissé, c'est que vraiment t'es maladroite. Et maintenant, pour fêter le départ de Daniel, je propose la grande parade. Profite bien, Lily. Ouvre bien tes yeux parce que tu verras pas ça deux fois dans ta vie. Ils sont combien? Oh, ils sont beaucoup. Fête. C'est des pizzas, ça? Pizza poulet. Et on s'excuse, on n'a pas nos cartons. J'aimerais bien voir vos papiers. Je suis désolé, monsieur, mais on les a oubliés à l'intérieur. Mais si vous voulez, on peut aller vous les chercher de suite. Hein. Ouais, allez, faites vite. Pas de problème, monsieur. Merci. On se casse. Bon, mais ça fait bien 5 minutes, là, hein? Tu fais attention parce qu'il y a peut-être de l'huile. De l'huile? Ouais, parce que c'est mon appart, mais... Ça fait aussi garage, quoi. J'ai d'autres deux, trois fois rien, quoi. C'est spécial, hein. Daniel. Ouais. Ça fait 2 ans qu'on se connaît. Pourquoi t'as attendu le jour de ton départ pour m'emmener chez toi? Je sais, je suis assez lent comme garçon. Je mets toujours des plombs à me décider. Et qu'est-ce qui t'a décidé? Le décolleté. Elle est belle, hein? Elle est toute neuve.
Bon, ben, on va essayer de pas l'abîmer, alors. T'es sûr que c'est bien après toutes ces années d'amitié? Au contraire, on a bien préparé le terrain, c'est le moment de bâtir. Tu pourrais peut-être attendre encore un peu. Non, non, si j'attends davantage, j'ai peur que tu le prennes mal, que tu me trouves indécis. Et j'ai pas envie d'être mal poli. Oh non, pas ça. Quoi? Il est 6h. Bah oui, mais il est samedi. Ouais, mais j'ai un rencard pour le boulot. Quoi? Mais t'as arrêté de bosser hier soir? T'as pas trouvé du travail dans la nuit, non? Mais non, c'est un rencard pour mon futur boulot. C'est le genre de rendez-vous que tu mets des mois à avoir. Moi, je croyais que ça faisait des mois que t'attendais le nôtre de rendez-vous. Bah, ça fera des mois plus 1 heure. Et quand je dis 1 heure, c'est grand max. Hé, le bleu, il prend un ticket là-bas. Ticket. N'oubliez pas vos photos la prochaine fois. 77. 247. Eh ben, il n'est pas arrivé. Ça fait longtemps que vous êtes dans le métier? 25 ans hier. Je suis à la retraite depuis ce matin, ça veut dire que c'est le premier matin depuis 25 ans où je peux lire mon journal tranquille. Ah d'accord. Il se réveille le 247? Il est là! Les deux photos, vous signez là et là. La carte professionnelle du conducteur, l'autorisation de circuler, le bon d'autorisation pour l'acquisition d'un Eurodacteur, le carnet, la plaque et la borne. C'est tout? Ben oui. Après 6 ans d'attente. Vous voulez qu'on vous chante la Marseillaise? Non, pas forcément, mais un petit sourire, ça m'aurait fait plaisir. 248. Lily. Il est midi. Je suis partie chercher les croissants moi-même et par désespoir, je me suis mariée avec le boulanger. Adieu et à plus tard. Félicitations, monsieur Daniel. De rien, de rien. Mais si, j'insiste. Bon ben... Tu me plais. Je sais, mais les mots dans ma caisse, bébé, après on voit. J'aurais jamais cru t'aider comme ça. Moi. Tu me plais. Ah ouais, mais vas-y, mon pote, chichi. Moi, on va. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Grimpe dans mon taxi, système booming. Caisse clean, check ma routine. Rouler en rime. Et ça, je suis là, elle. Oh, Daniel! Oh, boulot! Alors, ça y est, on fait dans le tourisme. Eh ouais. Elle était mortelle ta fête, hein. Surtout le défilé, on a kiffé à mort. Ouais, c'était super. Dis-moi, Polo, je suis inquiet. Qu'est-ce qu'il y a? Elle fait pas un bruit bizarre, ta bécane, là? À l'avance, au moins. Tu rigoles ou quoi? Je la nourris au vitriol. D'ailleurs, je viens de me réchauffer 2 motards sur la canne-bière. Je te raconte pas comment je les ai semés. Allez, si je te raconte. 2 motards en haut du boulevard. Je me mets à leur niveau. Feu vert, ils avaient pas enclenché la première, déjà j'étais sur la plage. Ils en étaient malades, vert bleu. Je les ai enrhumés pour la semaine, ces deux-là. Dans le tunnel du Prato, j'étais au taquet comme ça. Ah, poignée dans l'angle. J'en
entendais un derrière et il appelait sa mère. Ces deux-là, ils sont pas prêts d'oublier Polo, je peux te dire. Polo, je te confirme, Polo. Ils n'ont pas oublié. Alors les filles, on porte toujours la moustache. Non, c'est gratuit aujourd'hui. Allez, je me ferai un plaisir. On y vite, va. Vite. Oui. Vous êtes taxi ou taxi sympathique? Il est du genre taxi super sympathique. Qui ouvre la porte aux dames. Qui fait pas mal au cœur quand il conduit. Qui ne bavarde que quand on lui demande. Et qui porte même les paquets si c'est demandé gentiment. Merci, c'est parfait. Parfait. Alors, où on va, ma petite dame? Vous voyez la maison, là-bas au bout? La rose, avec la grande porte cochère? Oui, je la vois, oui. La rose. Eh bien, c'est là qu'on va. Et vous avez sûrement un chemin préféré pour y aller, non? Posez tout ça dans la cuisine, je rentrerai plus tard. Vous êtes quoi tenir au moins une semaine, là? Oh, pensez-vous, ça sera parti demain, mon fils vient de déjeuner. Il peut manger tout ça en un seul repas? Bien sûr que non, le dimanche, il prépare ses petits plats pour la semaine, il les ramène chez lui. C'est trop petit, il n'a même pas de cuisine. Puis le pauvre garçon, il est incapable de se faire cuire un œuf. Tenez, c'est lui, là, sur la photo, à côté du râteau. Il est bon que quand il a le nez dans son ordinateur. Il travaille chez IBM. Chacun son truc, hein. C'est vrai. Et c'est quoi votre truc à vous? Bah, c'est la conduite, mais vous n'avez pas eu le temps de vous en apercevoir. Hein. C'est amusant, mon fils passe son permis de conduire aujourd'hui pour la 8e fois. Ah, 8 fois. Et vous savez, le 8, c'est mon chiffre. Ça va lui porter bonheur. Au bout de la rue, là, nous allons prendre la première sur la gauche, monsieur Carbonec. Non, tournez à gauche. C'est clair, madame. À gauche. Mais tournez, putain de bordel, on va se planter là-haut. Mais vous êtes bouché ou quoi? Oh putain. Putain, mais c'est pas vrai. Mais ça fait 10 ans que je fais ce métier, mais j'ai jamais vu un débile pareil. Mais vous connaissez pas votre droite de votre gauche? Si, mais il fallait me le dire plus tôt. Ah ouais, faut vous envoyer un fax, je sais pas qu'on tourne à gauche. Mais à gauche, c'est à gauche, putain. C'est pas compliqué de tourner un volant et d'appuyer sur une pédale, bordel. Bah, chacun son métier, hein. Quoi? Mais c'est quoi votre métier? Hein? Je serais curieux de savoir dans quelle branche ils prennent les bérets comme vous. Vous travaillez quoi, au cirque, dans un zoo, à l'MPE? Un peu détroit. Fallait le dire plus tôt, monsieur. Fallait vous envoyer un fax? Excusez-moi. Je vous sers quelque chose, monsieur le commissaire? Oh, merci, il est superbe. Mais c'est moi qui vous remercie, vous avez été charmant. Je garde précieusement votre petite carte. Je voudrais pas être impoli, mais ça vous embête pas si je le mange dans la voiture, parce qu'il faudrait peut-être que j'aille travailler quand même. Mais non! Allez, au travail! Est-ce que vous pouvez me sauver la vie? A priori, non. Mais bon. Ça dépend, c'est quoi, vos symptômes? J'ai un avion à Marignan dans 25 minutes. Si je rate, je suis un homme mort. Si j'attrape, vous êtes un homme riche. Monsieur a de la chance. Je suis pas médecin. Mais j'aime bien les urgences. Vous pouvez attacher votre ceinture, s'il vous plaît? Peut-être y aller maintenant.
grande vitesse. Il a renversé mon radar. On s'en occupe, t'as relevé le numéro. J'ai pas eu le temps, il est allé trop vite. Eh ben alors, ma poule, il faut ouvrir les yeux, hein. C'est un métier, ça. Vous pensez qu'on va y arriver, là? Parce que... Enfin, je veux dire, si on le rate, autant prendre son temps, quoi. Je pense que ça ira. Là, on se traîne un peu, mais dès qu'on va être sur l'autoroute, ça va rouler mieux. Ah, bon, bah... pas prendre tous ces risques pour moi, hein. Je voudrais pas qu'on vous enlève votre permis à cause de moi, hein. Vous inquiétez pas, monsieur. Je n'ai pas le permis. Ah ben, c'est magnifique. Eh ben, ça vous laisse le temps de prendre les journaux et peut-être même un petit café. Bon voyage, monsieur. Merci. Je comprends pas. Quand je m'entraîne sur l'écran, je suis imbattable. Premier au championnat, record du tour à Monaco, 8 pole position. Et là, à peine je suis sur la route, je m'emplâtre. Alors ? On se la voit, hein ? Pas tout de suite. Oh bah non ! Oh bah non, Emilien, c'est pas possible ça. Attends, je veux bien que le champagne se bonifie avec l'âge, mais là, on est limite moitié sûr, quoi. C'était quoi ce coup-ci ? Eh bah, je me suis fait une boucherie pour changer un peu les casques à journaux. Et tu sais quoi ? Tu devrais monter une souris dans ta bagnole. À la place du volant, tu sais. Je te jure, il y a des handicapés qui font ça. Sérieux, hein ? Les mecs, toi. Ah bah. Quoi ? Oh, tout de suite. Oh bah non. Oh là là. Vu que j'ai dit. Hey, Emilien ! On a un bien là pour ton livre des records. Tout ça, hein. Un taxi, le long du port, devine combien ? 140. Il y est passé, ouais. Ensuite, il a mis la seconde. 217 km/h, mon pote. Vous l'avez chopé ? Oui, évidemment, ils ont appelé l'armée de l'air, tu penses à cette vitesse. Hé, hey, au fait, tu connais pas la dernière ? Écoute ça, hein, elle est trop drôle. Est-ce que tu connais la différence entre un peigne et un œuf dur ? Tu connais pas la différence entre... Oui. Je crois pas très réceptif, là. Hé, hey, je repasse un peu plus tard. Ouais, c'est ça, ouais. Beaucoup plus tard, même, hein. Et même s'il fait déjà nuit, tu vois, ça nous gêne pas, hein. Et puis la prochaine fois, tu frappes avant d'entrer ! Petra, je disais pas ça pour vous, hein. Vous êtes toujours la bienvenue. Merci, mon petit Emilien. Alors, c'est permis. Il paraît que vous êtes tombé sur un os. Ah, ben je vois que les nouvelles vont vite. À propos de nouvelles, je n'ai pour vous. Le chef est en réunion dans son bureau. Il ne manque plus que vous. À nous, personne ne nous a rien dit. Hein. Il suffit juste d'appuyer sur ce petit bouton-là. Vous voyez là ? Là où il y a marqué « Power ». Entendez ou quoi ? J'ai dit dans mon bureau immédiatement. Vous êtes sourd, Emilien ? Je le suis plus, chef. Bon, messieurs, après avoir écumé les banques hollandaises, italiennes, belges, le gang des Mercedes vient d'entrer en France. Autant vous dire qu'il est hors de question que les Allemands viennent à nouveau envahir notre territoire. Mon grand-père est tombé dans leur tranchée, j'en fais une question personnelle. Alors la liaison Paris-Bonne, l'amitié franco-allemande, hein, mes fesses, d'accord ? Non, c'est pas pour vous, Petra, que je dis ça. Vous êtes allemande, mais vous êtes flic, alors ça va. Alors, en plus, ils ont l'audace de désigner les villes avant d'en attaquer les banques. C'est un comble. Ce sera une banque marseillaise dans les 3 jours. Alerte générale ! 24 heures sur 24. Le GIGN collabore à l'opération, nous prêtant un pilote par équipe. Dès que les Germains auront quitté la banque, ils seront pris en chasse par nos véhicules, qui ne les lâcheront plus. Agissant sur eux comme un venin.
D'où le nom de l'opération, messieurs. Cobra. Petra, vous formez les équipes, s'il vous plaît. Trois par voiture. Un chauffeur de GIGN, un gars de chez nous pour la coordination et un tireur du groupe d'élite. Chaque équipe a un nom de code et une place déterminée indiquée sur le plan derrière vous. La composition de cette équipe est affichée à côté du plan. Il vous reste 50 minutes pour être en place. Petra, excusez-moi, hein, c'est pour ce dîner dont je vous avais parlé. Moi, ça m'arrangerait bien cette semaine parce que, en fait, c'est le programme là, que j'ai mis au point sur l'ordinateur. Bah, vaut mieux peut-être pas le faire attendre, on pourrait nous piquer l'idée. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas bien. Qu'est-ce qu'il nous faut attendre? Vous ou le programme? Eh ben, c'est moi. T'es lui, le programme, l'ordinateur, le... Ah! Vous voyez bien que c'est compliqué, là. C'est pour ça que je me suis dit qu'un... Un dîner, quoi. Dès que les Allemands sont sous le verrou, je vous promets, je m'occupe de vous. De votre programme. Eh ben alors ça marche, c'est super. Et sinon, vous faites équipe à qui? Avec Cobra, mais vous avez de la chance, je vous ai mis dans la meilleure équipe. Ah! Eh ben, je crois qu'il n'y a plus de café, là. Tu mates le volant? Il est beau, hein? C'est le mien, perso. Je l'ai acheté à Alain Prost. Ah ouais? Ouais. Et là, à l'intérieur, c'est un nouveau grip spécial Dakar. Et même avec une tonne de sable dans la bagnole, hein, tu conduis à l'aise. Hein. Ah ouais? Mm-hmm. Eh ben, c'est con qu'on soit pas à la plage, alors. Pas de clope, s'il te plaît. Ça m'irrite les yeux. Pas de café, pas de clope. Et pas de gonzesse. Bois, appelle Couleuvre. Je le répète, Bois, appelle Couleuvre. Couleuvre, j'écoute. Salut, c'est Alain. Tu es bien dans ton équipe? C'est formidable, on est en train d'échanger nos adresses. Là. Et toi? Bah, nous, on est en train de se faire pisser dessus, là. Mais sinon, ça va. Hé, Rachid. La petite saucisse noire derrière. On va se la faire. Putain, mais arrête tes conneries, Marco! On va pas sur une voiture en plein après-midi, non? Ah ouais? On va s'y gêner. Putain, mais arrête, Marco, c'est plein de conneries ici! Tu veux pas qu'on rentre d'abord chez nous? Tu sais, vaut mieux tuer une caisse qu'on connaît. Ça va! Y'a le sommet des bouts là-bas, tous les flics de la terre sont à l'aéroport. Y'a pas une conne à 20 km à la ronde là. Regarde. J'ai l'anique. Attends, Marco, t'es sur ton cou là? Putain, relax! Tous à l'aéroport, je te dis. J'ai vu à la télé, il y a Clinton avec sa gonzesse, tous les mecs de l'Est, là. Regarde, regarde. Oh, les condés! Marco, il vous nique, il vous prend, il vous retourne et il vous fume. Attends, on l'embarque, là. Non, non, laisse-le qu'il l'embarque, sa poubelle. Qu'il arrête son cirque, on a besoin de la place. Bon, dis-moi, je vais sortir 30 secondes pour aller pisser, là. On doit pas quitter la bagnole. C'est les ordres. Et voilà. Alors, tu vois, tout c'est l'aéroport, je te dis. Hé, hey, souriez les gars, vous êtes filmés. Bon, hé, hey, moi je vous préviens là, si dans une minute ils sont pas pointés avec leur Mercedes, ce sera café, clope et chiottes, ok? Tu feras tout ça plus tard, camarade. À tous les serpents, pas de venin avant que la souris n'ait quitté son trou, je répète. Merci, bien. Pas de venin avant la sortie. Comment ça? Ah ben non, là, Petra, vous dérangez, là, j'étais dedans. Je sais, mais c'est le ministre. Ah, mes respects, monsieur le ministre. Alors, vous n'êtes pas à Marignane? On vient de finir. Dites-moi, mon petit Gibert, à propos de ce gang à la Mercedes dont vous m'avez parlé. Oui, bah, écoutez, là, vous pouvez pas mieux tomber parce qu'on les a localisés et on va pas tarder à passer à l'action. C'est bien, c'est bien. Mais je viens un instant d'en parler avec mon homologue allemand. Oui, non, mais là, je vous arrête tout de suite. Ils vont pas avoir le temps de visiter Marseille, les cheveux. Ce soir, ils sont au panier. Demain, je les renvoie dans leur pays par wagon spécial. Eh bien, justement, j'aimerais bien que cette histoire ne se termine pas en règlement de compte franco-allemand. La guerre est finie, mon petit Gibert. Ah, mais tout à fait. Alors, monsieur le ministre, alors là, je comprends très bien. Ce sont des malfaiteurs comme les autres. Ils sont traités comme tels, mais... Alors, il faudrait peut-être ne pas commencer à les traiter de cheveux, par exemple.
Moi, j'ai dit Schleu. Bah oui. Schleu. Alors là, monsieur le ministre, ça a dû m'échapper. Je peux compter sur vous, Gibert. Oui, vous pouvez compter sur nous. Hein. Bah, souvenez-vous, l'affaire des Niaques. Hein. Enfin, je veux dire, les Asiatiques. Eh ben, ça s'est passé tout en douceur. On n'a presque pas eu de mort. Enfin, il n'y en a pas eu de notre côté, toujours. Hein? Allô? Allô? Il a raccroché. Putain, il a trouvé le fil en dessous. Putain, mais bouge-toi, Marco, allez, fais vite. Tu la dégages, ta caisse, connard, ou tu veux que je t'emmène les clés? Nous, on est cool l'œuvre. Et dans cool l'œuvre, il y a cool. On va peut-être la jouer plutôt cool que venant là, non? À tous les serpents de mer, ratez pas l'asticot, ils me les font vivants. Au moins pendant une heure. Écoute, je le sens pas là, je crois qu'il vaut mieux que je vous laisse, d'accord? En plus, faut vraiment que j'y aille là. Qu'est-ce qui se passe? Ça sent le carton, monsieur le ministre. Bougez pas, monsieur le ministre! Oh putain! On est tombé dans une embuscade! Envoyez-nous des renforts! J'ai identifié la voiture. Je répète, on note, j'ai identifié la voiture du complice. À bord, quatre hommes surentraînés. Les renforts arrivent, monsieur le ministre. Oh putain, oh putain. Je crois que c'est des flics sur qui on tire. Ils se rendent là, non? Allô? Ici Couleuvre. On a eu un petit problème avec la portière, là. Bonjour, monsieur. Vous inquiétez pas, on vous libère dans 5 minutes. Sans problème, monsieur, sans problème. Merci, monsieur. Ça y est, ils se rendent. Ça, c'est marrant parce qu'il a une espèce comme un faux air du ministre. Hein? Hein? Oh, maman chérie, t'as rien mangé. Non, mais c'est très bon, maman. C'est juste là aujourd'hui, j'ai pas très faim, quoi. C'est... Maman, c'est bon. C'est pour ton permis que tu t'inquiètes, faut pas. 8 fois, c'est rien du tout. Rappelle-toi, ton père, il l'a jamais eu. Comment ça? Pourtant, je me souviens bien de lui au volant quand j'étais petit. Hein. Ah, c'est vrai? Mais c'est parce qu'il l'a passé 20 fois, alors évidemment, à la fin, ils vont devenir. Ah ouais, merci, hein. Ça me fait du bien ce que tu me dis là, maman. De rien. Tiens, ce petit David, le fils de la concierge, il m'a demandé si tu pouvais lui réparer. Ouais, bah tu lui diras, je m'appelle pas Super Mario. Ouais, je sais, tu t'appelles Super Cop, celui qui fait respecter les lois et qui protège les citoyens contre le mal. Oh, mon chéri, c'est un beau métier que tu fais et je suis fière de toi. Ah ouais? Alors pourquoi tu dis dans tout le quartier que je bosse chez IBM? Tu voudrais que je te saoule tous les dimanches avec les contraventions du quartier? Non. Bah alors,
travailles chez IBM, t'es tranquille, moi aussi. Et moi, je me tape tous les jouets électroniques du quartier réparé. Jamais content, celui-là. Ça va, je plaisante, maman, là. Bon, tu peux m'appeler un taxi, s'il te plaît, je vais être en retard. Oh, j'en ai trouvé un parfait. Tu verras, il est gentil, aimable, c'est une vraie crème. Il va beaucoup te plaire. Bonjour. Monsieur Gouret des tâches. Ça dépend qui vous cherchez. Camille. Ouais, c'est moi. Ouais. Enfin, c'est ici. Ah, vous êtes son fils, celui qui bosse chez Apple, c'est ça ? IBM. IBM. Maman ! Vous savez, moi, je connais rien à tous ces trucs-là. J'ai vu votre photo l'autre jour. Oh, mon petit Daniel ! Je vous présente mon grand-fils Emilien. Bon, je t'ai mis des étiquettes dessus, tu vois. Alors, lundi, t'as dû sauter de boue, mardi... Ça va, maman, c'est bon. Je te promets, je m'y retrouverai. Ouais, peut-être qu'on y aille, là, parce que j'ai laissé la voiture toute seule et ça m'inquiète. Au revoir. Bisous. Bisous, maman. Bon, alors, où on va ? Boulevard Voltaire. Je vois bien le commissariat, mais je vois pas IBM. Non, bah, je vais au commissariat. Ah. Ah, c'est parce que j'installe des ordinateurs chez eux. Bah, si ça vous gêne pas, je vais vous laisser un petit peu avant parce que j'aime pas bien traîner chez les poulets, moi. Dites-moi, elle fait plutôt un joli bruit pour un taxi. Connaisseur ? Amateur. J'ai récupéré un V6 et après je l'ai vitaminé un peu, quoi, histoire de lui faire la voix, parce qu'un V6, ça ne demande qu'à chanter. Enfin, chanter, vous pouvez tout de même pas chanter trop fort, hein, c'est limité à 50 partout, là. Vous parlez des panneaux, là, où il y a marqué 50 ? Ouais. Moi, je croyais que c'était pour le skateboard. Non, je crois que c'est pour tout ce qui roule, hein. Ouais, mais il y a rouler et rouler. Vous voyez, là, par exemple, je suis à 100. Bonne caisse, bon pilote, c'est tranquille, sans risque. Je suis quand même beaucoup moins dangereux, là, à 100, que la bouse qui arrive à 20 km/h, regardez. Vous avez vu ? Ah ouais, ça j'ai vu, ouais. Vous avez pas peur des radars ? Vous savez, monsieur, on sait où ils sont, les radars. Les poulets, ça aime pas bien le changement, hein. Ça picore toujours au même endroit. D'ailleurs, vous allez voir, il y en a un, là, un peu plus loin. Regardez-les. Tenez, vous les voyez ? Oh, ils sont pas fut-fut, hein, quand même. Photo ! Non, mais vous savez, eux, ils y peuvent rien. Ils font qu'obéir au système, c'est tout. Ils ont signé. On les a pas obligés. Quoique des fois, je me demande si on les a pas obligés, parce qu'il faut vraiment être con pour signer chez eux. Écoutez, moi qui les vois souvent, là, à cause des ordinateurs, hein, je dois dire que l'image que j'avais d'eux avant était assez fausse. Ah ouais ? C'est pire que ce qu'on lit, alors ? Non, c'est plutôt mieux, même, enfin... Je veux dire, vous savez, il n'y a pas que des abrutis dans la police. Ah, bah j'en suis sûr. Il y a aussi des alcoolos, des escrocs, des idiots. Non, sincèrement, monsieur, de vous à moi... Vous connaissez un de vos amis normalement constitué qui rêverait un jour de faire partie de la maison Poulaga ? Et chauffeur de taxi alors ? Comment ça ? Non mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui rêverait d'être chauffeur de taxi, vous ? Ces gros râleurs là qui vous prennent que quand ça les intéresse ? Qui vous engueulent quand vous avez pas la peau que le pourboire n'est pas leur goût ? Hein ? Et puis alors vas-y que je te picole dans les cafés à te faire exploser un alcotest, hein. Vas-y que je te râle sur l'OM, la sécu, et puis avec les flics, hein. Et bah sécu et chemise avec les flics, les rois des balances, fournisseurs officiels. Et alors pour peu que le gars soit marié avec une concierge, c'est la totale, là vous avez un couple gagnant là. Vous êtes pas marié avec une concierge au moins ? Non. Et bah vous me rassurez là ! Écoutez, il y a peut-être effectivement quelques chauffeurs qui sont un peu rudes avec la clientèle. Mais ils sont pas tous comme vous le dites là. Et bah alors ? Acceptez au moins que dans la police, ça soit la même chose. Ils sont pas tous bourrés à 6h du mat en train de s'acharner sur un maghrébin qui a rien fait, hein. Il y en a qui font leur métier, monsieur, comme vous et comme moi. Peut-être. Ouais, peut-être. Problème, c'est que chauffeur de taxi, c'est pas mon vrai métier. Ah bon ? Parce que vous faites le taxi juste pour le plaisir, vous, c'est ça ? C'est quoi votre vrai métier, alors ? Eh ben, je vais vous montrer. Hé. Je me sens pas bien là. Ne vous inquiétez pas, tant qu'on roulera, il n'y aura rien qui sortira.
merde. Oh, je suis désolé, monsieur. Oh, c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, les clients, ils sortent, ils font quelques pas et ensuite seulement... Je suis désolé, monsieur. Je vais vous faire une confidence. Moi non plus, c'est pas mon vrai métier. Ah bon? Oh non. Oh, si. Bon, alors... Nom et prénom. Morales, Daniel. Profession, je marque chauffard de taxi ou chauffard tout court? Qu'est-ce que vous voulez? Bon. À combien tu roulais, là, sur le boulevard? Un petit 90. Un petit 90? Bah ouais, ça paraît impressionnant comme ça, parce que la voiture a de la reprise, mais en fait, on n'avançait pas. Alors, champion du monde, ça roule? Ouais, ça roule. Dis-moi, tu peux aller voir les stands si j'y suis, là? Eh, tu sais le taxi, là? On l'a rechopé sur les boulevards il n'y a pas 5 minutes. 190 km/h. Il baisse. Eh ben, tu vois. T'étais pas à 90, t'étais à 190. Ah, ça y est, je sais. Ça doit être à cause du soleil. J'ai pas vu le 1 sur le cadran. J'ai vu que le 90. C'est pour ça que je m'affolais pas. Si j'avais su, j'aurais levé le pied. De toute façon, même 90, c'est interdit. C'est limité à 50 en ville et pour tout le monde. Les voitures, les skateboards, les taxis, tout le monde. Alors ça y est, hein, il est content. Il m'a chopé, il a bien fait son travail, il est heureux. Hein? Alors maintenant, moi, mon permis, c'est ma vie. Si ce soir, je suis piéton, demain, je suis mort. Alors vous êtes gentil, vous allez arrêter l'agonie, puis vous allez m'achever rapidement, ok? Mollo, ça va, j'ai le droit d'en profiter un petit peu, non? D'habitude, c'est moi qui me prends les tuiles toute la journée, alors pour une fois que j'ai un peu de chance... J'ai pas frappé parce que je mal le poignet en ce moment. Ah, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire que vous ayez pas frappé, quoi. Merci. Votre dîner, là, votre programme qui ne peut pas attendre? Oui. Eh ben, il va attendre que je suis plus de cicatrice. À moins que vous ayez envie de dîner avec un accointail. Ah, mais moi, ça me gêne pas. Je veux dire, non, vous êtes parfaite, Petra. Enfin, je veux dire, c'est pas grave, quoi. Je veux dire, non. Non, mais si c'est grave, écoutez, je suis désolé, vraiment, je vous promets, je suis embêté pour vous et pour moi aussi. Mais moi, c'est pas grave. En plus, et voilà. Vous voyez, toute la journée, c'est comme ça. Seulement, je pouvais les coincer, ces enfoirés d'Allemands. Bon, vous me finissez, là, vous verrez, ça va vous faire du bien. Ouais, ça, je veux bien être obligé, ouais. À moins que... Vous aviez une idée? Ben, je peux promettre de plus le refaire. Non, ça, c'est pas une idée, c'est une connerie. Je parle d'une vraie idée. Un truc d'intérêt public, quoi. Vous voulez me foutre sur une motocrotte? Mais non. Quelque chose d'intérêt public pour moi. Vous comprenez? Je veux dire, c'est comme si moi, je représentais le public et vous, vous faites quelque chose dans mon intérêt. C'est clair, là? Ah d'accord, vous voulez du pognon? Tu sais que t'es vraiment bouché, toi, là? Eh ben, dites-moi une bonne fois pour toutes ce que vous voulez à la fin, là. Ça fait une heure que vous tournez autour du pot, que j'en ai le tournis. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, ok. Le gang des Mercedes, ça te dit quelque chose? Non, les gangs que je connais seraient plutôt en mobilette, moi. Eux, c'est un gang spécialisé dans l'attaque de banque. Hier, c'était la 7e et ça rend mon chef malade. Ah, c'est con, ça. Ouais, surtout pour nous, ouais. Bon, alors, écoute, je te fais une proposition. T'es doué au volant, doué en mécanique et moi, j'ai besoin d'un chauffeur. Ça fait 3 bonnes raisons de t'engager pendant 1 mois au salaire de stagiaire. Et j'oublie toutes tes infractions. Vous voulez que je fasse le flic pendant 1 mois, c'est ça? Flic ou piéton, à toi de choisir. J'ai le choix entre la mort ou la honte. T'as tout compris. Bon, alors voilà. C'est les 7 attaques. Dans l'ordre. Je suis pas spécialiste Mercedes, moi je suis plutôt Ferrari. Oui, et ben là le gang il s'appelle Mercedes, mais je te promets, hein, dès qu'il passe chez Ferrari, tu seras prévenu. Une Mercedes rouge qui est là. Attends, je sais qu'elles sont rouges. Je regarde plutôt si tu vois un truc qui nous aurait échappé là. Vous avez épluché sous toutes les coutures, mais bon, c'est jamais. Un détail. Parle d'un détail. Quoi? Votre gang, c'est des Allemands. Dis-moi, t'avais Sciences Po toi? Une Mercedes, donc c'est les Allemands. Tu veux te reposer 5 minutes? Tu dois être naze, là. Les pneus avant sont surgonflés, et ça, c'est typique des Allemands. En plus, ils ont monté les 8 pouces, mais ils ont été obligés de le faire en Allemagne, parce qu'il n'y en a pas des pneus comme ça en France, faut les commander.
Et vu l'usure, ils vont être obligés de l'échanger dans pas longtemps. Sur cette photo, là, le pot est un peu tordu. Mais pas sur celle-là. Ils ont dû toucher pendant leur fuite et ils l'ont changé après. Et le seul mec qui monte les pots plats à Marseille, c'est Kruger. Et Kruger, il est allemand. Heureusement que t'es pas spécialiste Mercedes, toi. Alors, où on va? On va commencer par ton Kruger. On va voir s'il a un peu de mémoire. Bon, bah, qu'est-ce que t'attends pour démarrer? Que je te chante Sarsky Hutch? Vu le quartier, moi, je serais vous, j'enlèverais la guirlande. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben maintenant, on rentre dans la phase qui occupe 90% de la vie d'un policier, l'observation. Prise de contact avec le terrain, notation des va-et-vient, analyse de la situation. Et puis à la fermeture, on ira poser quelques questions à ce fameux Kruger. Il ferme à quelle heure le garage à côté, s'il vous plaît? Kruger? Il ferme jamais, il est insomniaque. Ah, merci. Il y avait que Riette. Hein. C'est con qu'on ne soit pas passé chez ma mère avant, elle fait des sandwichs d'enfer. Le jambon fromage, là. Moitié Bayonne, moitié Paris. Il est génial. Et vous l'a fait? Ouais. Avec des fines tranches d'emmental au milieu, là. Et puis des petites feuilles de salade. Oh, et puis des petits cornichons, tout ça. Oh, il est monstrueux. C'est le mien? Il est vachement bon. Félicitations. Qu'est-ce qu'il fout celui-là? C'est des Coréens. Ah, c'est une vraie plaie pour le boulot, ces mecs-là. Ils bossent 24 heures sur 24. Il doit quand même bien dormir à un moment donné, il est pas surhumain. Non, vous allez voir, ils ont la technique. Un taxi, une plaque, un permis, deux chauffeurs. Attends voir la différence entre un coréen et un coréen. C'est incroyable ça. D'ailleurs, à ce propos, j'en connais un petit coréen là, pas trop loin, mais lui fait plutôt dans la cuisine. Ça vous dit non? Non, on attend d'abord qu'il ferme son garage. Et ben on va attendre longtemps. Le gars est insomniaque, qui ferme jamais. Comment vous savez ça, vous? C'est le patron du bar qui me l'a dit. Non, pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Je suis pas depuis longtemps dans la police, moi j'ai pas encore les réflexes, chef. Non mais c'est pas le problème d'être dans la police, non, c'est un problème de bon sens, là, putain! On est là comme deux cons à attendre qu'un insomniaque aille se coucher. Y a pas comme un défaut dans l'énoncé, là? Moi, si je suis le pilote de la Mercedes et je sais que le garagiste est insomniaque, je vais attendre la nuit pour venir le voir. C'est quand même beaucoup plus discret, non? Ah ouais? Parce que vous croyez que le mec va se pointer au garage comme ça avec sa belle Mercedes, là? Oh, j'y crois pas, là. Un pilote, quand ça pilote pas, ça passe sa vie dans les garages. Qu'est-ce qu'ils viennent faire, là? Probablement récupérer les pneus de 8 pouces qu'ils ont commandés à Kruger. Mais c'est un miracle! Je peux pas laisser passer mon casse pareil. Si ça tourne mal, tu te mets sur le canal 2 et tu donnes l'immatriculation de la Mercedes, ok? Où vous allez? Après l'observation, l'action. Je vais leur faire le coup du coréen. Le quoi? Le coup du coréen. Et les pneus neufs, ils vont les mettre où, à ton avis? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Moi, 200 000. Moi, on me laisse sans maison. Moi, mon pays est très froid. Non, s'il vous plaît, non, pas faire le mal, s'il vous plaît, moi, j'ai volé. Moi, 200 000. Ah, je vais t'en trouver une de maison où tu vas pouvoir dormir. Et même manger avec un peu de chance. Ah, mais moi, j'ai volé. Non.
vous me faites mal. Je fais ce que je peux, chef. Comment vous appelez déjà ? Daniel. Ouais, Daniel, c'est ça. Moi, c'est Mia. On va se tutoyer, hein, ça sera peut-être mieux. Ça sera un peu mieux. Bon, bah, maintenant qu'on est quasiment intime, on va dire que ce qui vient de se passer, là, les poubelles, tout ça, ça va rester entre nous, ok ? Ok. Et une fois que tu m'auras lâché la main, tu crois que je pourrai rentrer me reposer un petit peu chez moi ? Parce que je suis ni insomniaque, ni coréen, moi. Bien sûr. Je t'ai attendu toute la nuit. Je l'ai fait exprès pour que t'en aies vraiment envie. Et je te promets que tu vas pas regretter d'avoir attendu. Toujours des promesses. Je fais des avances pour voir. Pas mal. Avance. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il est 6h et on n'est pas dimanche, on est lundi. Tu peux pas me faire ça, Lily. Je me suis retenue toute la soirée. Et moi, j'ai fait quoi? J'ai joué au domino. Tu peux pas te porter malade? Je l'ai malade du lundi matin. Ça va beaucoup lui plaire, hein, mon patron. Surtout qu'on n'a jamais dû lui faire, celle-là. Bah quoi, ça peut arriver à tout le monde d'être malade un lundi matin. T'as été bouffé chez tes parents dimanche et ils t'ont gavé comme une oie. T'as été malade toute la nuit. C'est possible, non? Et un mec qui travaille la semaine mais pas le dimanche, parce que le dimanche, il le passe à s'occuper de sa fiancée. Tu crois que c'est possible, ça? Pardonne-moi, Lily. Aujourd'hui, il m'est arrivé que des merdes. Et je te promets, mais alors je te promets que si t'acceptes un dîner ce soir ici en tête-à-tête, je te raconterai tout. Ok. Mais léger le dîner, j'ai pas envie d'être malade mardi matin. Pas de problème. On passera très peu de temps à table et beaucoup au lit. On peut même dîner au lit, comme ça on gagnera du temps. T'as intérêt à assurer ce soir, c'est ta dernière chance. Je vais cartonner. On va encore poireauter devant le garage toute la journée? Non, c'est fini l'observation, on va passer à l'interpellation. Là. Ça t'intéresse de voir comment on mène un véritable interrogatoire? Non, non, non. Ouais, et ben tu vas venir voir quand même. Je vais servir à rien, là. Vaut peut-être mieux que je reste avec le taxi au cas où ça tournerait mal, comme la dernière fois. Écoute, j'ai besoin de toi pour traduire, là. J'ai pas envie qu'il m'embrouille avec des trucs techniques. Et de toute façon, l'allure où je vais te mener ça, il va pas avoir le temps de m'embrouiller le crouilleur. C'est moi qui te le dis. Bonjour, messieurs. Lequel d'entre vous est le dénommé Krueger, s'il vous plaît? C'est comme le port-salut. C'est marqué dessus. Ah, monsieur Krueger, j'ai quelques questions à vous poser. Vous inquiétez pas, ça sera pas long. Hein. Ça fait une plombe qu'ils sont partis. Ah bon? Ouvre tes yeux, il est vide le garage, il n'y a plus personne. Ah ouais, ils sont plus là. Ah ouais, ils sont plus là. Dis-moi, je peux te poser une petite question? Quoi? Tes interrogatoires, là, ça se passe toujours comme ça ou là c'était juste pour moi, pour me faire plaisir? Ah mais non, d'habitude je pose au moins une question là. Allez vas-y, viens, on va aller prendre l'air, viens. Viens, ça va nous faire du bien. Je sais que tu m'as sauvé la vie tout à l'heure. Mais non. Ah si. Je crois que ça mérite une remise de peine, je t'annule le mois de travaux forcés. Merci. Et je te le ramène à une semaine seulement. Ça va, t'as le sens des affaires, toi, au moins. Bon, écoute, faut que je coince ce gang, Daniel, c'est important pour moi. C'est à cause de la blonde? Non. Oui, bon, disons que c'est aussi à cause de la blonde, mais c'est surtout pour moi, tu comprends? J'en ai marre, moi, de tout foirer, de finir tous les soirs dans les poubelles, alors ce coup-là, je vais pas le foirer. C'est une question d'honneur. C'est peut-être con, mais moi, j'ai besoin de ça. Et tu penses que je peux avoir ma soirée, quand même? Bon, attends, bien sûr, tu rigoles. Tu t'en sers plus, je peux te le prendre? Bah, maman, c'est que là... Puis j'ai perdu mon ordonnance, le docteur est d'accord pour me la faire. Il ferme à 5h, il est 5h moins 5. C'est les médicaments pour mon cœur. Bon.
Bon, et ben, je vais pas vous laisser mourir sur le palier, hein. Et puis comme ça, j'aurais sauvé toute la famille aujourd'hui. Oh, vous êtes bien bon, mon petit Daniel. Je sais, je sais. Oh mon Dieu, Johnny, regardez, les voilà qui arrivent. Vous en faites pas, bébé, j'ai mis un émetteur dans cette cartouche et là, ils ne pourront plus nous échapper. Vous êtes astucieux, Johnny. C'est mon métier, bébé. Oh, en plein dans le mille. Oh, que vous êtes fort. Maintenant, il n'y a plus qu'à les suivre, ils nous mèneront tout droit au repère. Et là, nous libérerons votre père. Oh, je n'oublierai jamais ce que vous faites pour moi, Johnny. C'est mon métier, bébé. Bon, messieurs, on vient de recevoir un appel, là, alors... Maintenant, ils nous donnent carrément rendez-vous, hein? Ce sera la Marseillaise de banque à la porte d'Aix. Alors, puisqu'ils sont précis avec nous, ben moi, je vais l'être aussi avec vous. Je tolérerai aucun incident, un petit malentendu, chef, rien. Une coordination exemplaire. Deux mots d'ordre à cette mission. Sérénité, hein, et efficacité. J'ai donc décidé de baptiser cette opération l'opération Zen. Chef ! Laissez tomber les couleuvres et les cobras. Je viens d'avoir l'idée du siècle. Votre gang de Mercedes sera sous les verrous ce soir. Ou moi, je m'appelle plus Emilien Coutant-Kerbadec. J'espère que votre plan est infaillible, Emilien, parce que là, c'est votre dernière cartouche. La cartouche dont il parle, c'est toi qui l'as maintenant. Alors t'es gentil, tu la rates pas. Sur 10 km à la ronde. Ils ont toujours pas bougé. Encore une rue, ils sont tués là. Je sais pas là, c'est le point qui a disparu là. Mais bah ça, j'ai vu qu'il a disparu, faudrait savoir pourquoi il a disparu. Non mais ralentissez, ils doivent être par là. Mercedes rouge, ça passe pas inaperçu quand même.
sont pas loin, je le sens, là, ils sont pas loin. Ouais. Normalement, ils sont là. Tu bouges pas! Je suis en otage. Emilia. Mais comment... Attends, je comprends pas, là. Il y a un truc qui m'échappe. Une Mercedes rouge qui disparaît. Même Copperfield, il l'a jamais faite, celle-là. Bonjour. Trois pieds, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe, monsieur l'agent ? Vous êtes aux Allemagnes. Oui, pourquoi ? On est déjà à la frontière, là ? Hein ? Chef, quatre Allemands dans une Mercedes par rouge, ça vous intéresse, hein ? Je prends. Alors, comme ça, on est allemand ? Oui, pourquoi ? Ça vous pose un problème, ça ? Ah, au contraire, en ce moment, ça m'intéresse beaucoup. Ouvrez-moi le coffre. Et ils sont venus faire quoi à Marseille ? Ils sont venus dépenser leur Deutschmark, mais ils peuvent faire ça aussi dans un autre pays, si vous préférez. Sûrement pas. Oh là là, je préfère que ça reste sur le territoire. Hein ? Bon, allez à Wiedersehen et puis passez un bon séjour. Voilà. Emilien ? Je comprends pas, là. Je comprends pas. C'est pas possible. J'ai dû oublier un détail. Vous voyez ? Il a oublié la bouilloire. Classique. Vous croyez ? Pourtant, pas son genre. Il est 8h. J'ai mis le répondeur. Le réveil à 6h. On a 10h devant nous. Ça devrait suffire, non ? J'ai peur que ça soit juste. Mais bon, c'est pas grave. On se pressera un petit peu sur la fin. T'attends quelqu'un ? Bah, mon amant, mais quand j'ai su que tu venais, j'ai annulé. Non, mais qui ça peut bien être ? Laisse-le sonner, ils finiront bien par partir. On en était où déjà ? Je t'embrassais ? Non, non, c'est toi qui m'embrassais. Mmh. Attends, si c'était important. Comment ça ? C'est rien, moi. Des flics ou... Oh oui, tu seras un grand criminel et ils viendraient pour t'arrêter. Alors toi, tu me prendras en otage. Et si tu me prenais tout court ? Hey, police ! Daniel, t'as tué personne au moins ? Non. Oh putain, mon Daniel, t'es là ! Oh, c'est génial ! Tu peux pas imaginer en quelle galère je suis, Daniel. Oh si, j'imagine bien. Ah non ? Non, ça t'imagines pas du tout, non. C'est fini, on n'a plus d'appart. Volatiliser le bel appart que papa nous avait laissé. Il est parti en fumée, t'es comme papa. Oui, mon mari fumait beaucoup. Mais il est mort d'un cancer du foie, on n'a jamais compris pourquoi il buvait pas. Pas l'appart, à la limite, c'est rien. Le pire, Daniel, c'est que j'ai encore tout foiré. Si j'ai pas rattrapé le coup avant la fin de la semaine, lundi, je suis à la circulation, moi. Bâton, sifflet, roulez jeunesse. Sans dire que lundi, je suis mort. Daniel, c'est qui le nain, là ? C'est un pote. Ah ouais ? Tu fais dans les schtroumpfs, maintenant ? Ben, c'est un peu compliqué, c'est un flic et... Pardon ? Et... Toi, t'as un pote flic ? Non, c'est pas un vrai pote. En fait, je travaille pour lui parce que... Tu travailles pour les flics ? Mais non, je travaille pas pour les flics, je travaille pour lui. Et lui, c'est pas vraiment un flic. Regarde, il ressemble plutôt à un agent secret, à un truc comme ça, quoi. Ah ouais ? Et la vieille, c'est Matahari. Oh là là. Il n'y a pas quelqu'un qui va lui expliquer, là, parce que je ne vais pas y arriver, je le sens. Je m'appelle Camille, bonjour. Le schtroumpf qui est assis dans ce fauteuil, c'est mon fils Émilien. Et si vous êtes gentil, vous me montrez où se trouve la cuisine. Je vous fais un café super et je vous explique tout. Il n'y a rien à expliquer, maman. Je suis fini, là. Je suis à la rue. J'étais bien parti, hein, pourtant, hein, parce que... Puis il y a eu les poubelles, là, les... Boucherie, les Mercedes. Bon, t'en fais quoi de tes SDF ? Tu les laisses s'incruster ou j'appelle les flics, les vrais ? T'es gentil, tu compliques pas la situation plus qu'elle est, d'accord ? Je complique pas la situation. J'aimerais simplement qu'on puisse finir tranquillement ce qu'on était en train de commencer. Et j'ai pas envie qu'on perde une heure là parce qu'on est déjà très juste sur les horaires. Ouais.
Je me suis fait choper sur le port. Alors quand je dis choper, c'est choper sévère. Il a de quoi me faire sauter mon permis pour 100 ans. Alors moi, je lui rends service et lui, il me rend mes points. 100 ans de chômage, t'imagines ? Flic, maître chanteur, schtroumpf, beau tableau. Dites-moi, vous auriez pu le finir avant de le mettre en circulation. Allez, tiens, va, c'était complètement bête de ma part. Délibre. Non, mais je déconne pas, Daniel. Allez, tiens, je te dis, t'es libre. Tiens. Au fait, tu sais, Daniel, j'étais pas venu ici à cause de notre deal. C'est juste que j'ai pas d'autre ami et... Maman m'a dit Daniel a du cœur. Hein? Il a du cœur, Daniel, non? Il nous aidera. Ben voilà, quoi, je crois qu'on s'est gouré, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, c'est pas toi de résoudre tous nos problèmes. Hein. Ah non, mais t'en fais pas, Daniel, t'en fais pas. Je l'arrêterai tout seul, ce gang. À pied, ça va pas être facile. J'y arriverai. Écoute, le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est de résoudre son problème. Mais il n'a pas un problème, il en a des milliers. C'est un psychopathe, ce mec. Mais regarde la tête qu'il a, il me fait penser au silence des agneaux. Toi, tu t'occupes de Matahari, moi je m'occupe du schtroumpf, et dans 2 heures maximum, je suis de retour, ok? Qu'est-ce que j'en fais pendant 2 heures de la vieille, moi? On joue à la crapette? S'il te plaît, Lydie. Ok? Si dans 2 heures, t'es pas là, je la brûle, la vieille. Deal. Bon, allez, viens, toi. On va où? S'occuper de ton cas. Je suis désolée d'avoir ruiné votre soirée. Il est vraiment bon, votre café? Le meilleur de la ville. Un petit café pour détendre l'atmosphère et pour me faire pardonner. Bon, ok, je sais que vous avez plus vraiment envie de me parler, mais là, j'aimerais quand même que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire. D'accord? Une minute, ça ira. Ça ira. Bon, alors voilà, j'ai réfléchi là toute la nuit. Il y a une question à laquelle j'arrivais pas à répondre. C'est pourquoi ils nous narguent comme ça? Hein? Pourquoi des Mercedes rouges alors que le gris est si discret? Pour attirer l'attention? Vous regardez par ici, et hop, pendant ce temps, il passe par là. On appelle ça une diversion. Conclusion. Eh ben, je pense qu'ils sont sortis de la banque les mains vides et que l'argent a quitté la banque par un autre chemin. Ou alors que l'argent n'a toujours pas quitté la banque. Une minute. Fin de spectacle. Ok. Je repasserai plus tard. Des briques. Merci, beaucoup. De quoi arrondir des fins de mois pour les prochaines années. Et ma femme? Tu tiens vraiment? Ben, je me suis habitué maintenant. Ay, lo que más estoy haciendo! ¡Ah, c'est ce gilipollas! ¡Ah, hijo mío, lo que parece toda la noche! Calme-toi, calme-toi, chérie. Regarde. Tout va aller beaucoup mieux maintenant. Estoy lo que me han hecho. No puedes tú saberlo en la noche que pasa. Auf! Meine Herren, noch eine letzte Bank und wir können in Rente gehen. Et pour la dernière,
Je vous propose de finir en beauté. Emilien. Emilien. Si je te dis comment ils ont fait pour passer d'une Mercedes rouge à une Mercedes grise, ça t'aide? Bah oui, il y a les chances, vas-y. Ils ont pas changé de voiture. Ils ont changé de couleur. Une belle Mercedes rouge bien voyante rentre dans un parking ou autre chose. Et une Mercedes grise classique passe partout, en ressort et disparaît. C'est possible, ça. C'est un jeu d'enfant. Et s'ils avaient repeint la voiture, on aurait retrouvé des traces de peinture quelque part, non? Sauf s'ils ont monté la voiture dans un camion et ils l'ont repeinte à l'intérieur. Ils ont dû acheter des tonnes de peinture, c'est la repeigne à chaque fois. Faire ça dans un temps record, t'imagines, ils ont pas eu 10 minutes, les mecs. Est-ce que ça existe seulement une peinture qui sèche en moins de 10 minutes? Allô, Gégé? Je te réveille, Dieu, excuse-moi, c'est Daniel. Dis-moi, j'aurais besoin de ta peinture magique, là, la MD10. Couleur carmin métal. T'en as plus en stock? Attends, mais qu'est-ce qui a bien pu t'acheter autant de carmin d'un seul coup? Le circuit des étangs. Attends, mais qu'est-ce qu'ils veulent foutre avec autant de peinture? Ils veulent reprendre la piste en rouge ou quoi? Non, t'es gentil, non. Laisse tomber, je vais essayer de m'arranger avec eux. Ouais, ok, on se rappelle. Ciao, mec, merci. Ça veut dire quoi, ça, MD10? Moins de 10 minutes. Alors, elle te plaît ma théorie? Tu crois que c'est eux? Mais non, ça c'est le gang des charcutiers qui vient s'entraîner comme tous les mardis. Hey, Daniel, explique-moi, c'est quoi le plan là? Mais qu'est-ce que tu fais là? On va aller leur dire bonjour. Non mais t'es fou, ils vont nous repérer là. On va même faire en sorte qu'ils nous oublient pas. Non mais déconne pas, ils vont me reconnaître là, c'est sûr. Daniel, ils m'ont bien vu quand j'étais dans le coffre. Enfile ça. Ça va comme ça? T'es parfaite. Alors les petits PD, ça va? On se prend pour Schumacher? On fait des petits tours de piste, ça se passe bien? C'est quoi vos petits bolides là? C'est des Mercedes. Oh là là. Ils font des voitures aussi. Dis-moi, il sait jouer au lièvre l'allemand? Il sait pas jouer au lièvre? Ben je vais lui apprendre. Passe-moi 50 sacs. Vaut peut-être mieux que je descende là, non? Mais non, tu vas voir, je suis sûr qu'ils sont très joueurs. Alors, le lièvre, ça se passe comme ça. C'est 50 sacs à celui qui passe son capot devant le mien sur 2 tours. 1 plus 1. Ils savent compter, c'est bon? L'argent nous intéresse pas. Ah, j'ai dit 50 sacs parce que j'ai des scrupules à vous prendre plus, hein. Mais un touriste qui se fait pas arnaquer, c'est pas vraiment un touriste, hein. Dis-moi, tu jettes un œil dans ton rétro au cas où je serais déjà derrière toi au deuxième tour. Ça sert à rien que tu te tapes un tour gratuit, hein, ma poule. Merci les filles. Casse-toi. Vite. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais il faut que je passe au garage. Je sais pas ce qu'il y a là, ma caisse aujourd'hui, elle avance pas. C'est quand vous voulez pour la revanche. Tiens, t'es 55. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On va boire un coup. Franzose. Non mais t'es complètement malade, toi. On a les mecs dans la main et toi tu fais le zouave? Alors qu'on pouvait appeler du renfort, les cerner, on les coffrait sans problème, les mecs. Ah ouais, problème, et pour quel motif? Pour quel motif? Excès de vitesse? Sur un circuit? Mais les preuves, on les aurait trouvées après, on fait ça tout le temps, on a l'habitude. Je croyais qu'il te fallait un flagrant délit pour les choper, c'est ce non, que tu m'as dit? Non, c'est pas que exactement tu m'as dit, ce que oui j'ai dit, ou non? Bon, peut-être, mais pour l'instant, nous, on collectionne que les délits, tu vois. Si ça continue, c'est nous qui allons finir en cabane à force de faire que des conneries, là. Voilà, ça va, d'accord, ok. Tu vas l'avoir, ton flag. Là, ils sont chauffés à blanc, et tu sais, il n'y a pas plus joueur qu'un pilote, mon pote. Maintenant, on va pouvoir leur tendre un joli petit piège. Ah ouais? Et quel genre de piège? Un piège à con. Et ça consiste en quoi, ton piège à la con?
J'ai pas dit à la con. J'ai dit à con. Bon, ok. Ça consiste en quoi, alors? Ça consiste à les emmener par le bout du capot, là où on l'a décidé, c'est-à-dire ici. Et pour ça, j'ai besoin de 20 clés à feu rouge et 20 super toquis. Bon, les toquis, ça va, mais les clés, ça va être plus dur. Moi, j'en ai pas et les mecs les ont toujours sur eux. Enfin, à part quand ils vont à la douche, quoi. Ah non. Ah si. Ah non. Ah si. Talent. À toi de jouer, mon petit Jimmy. Bon, ça va prendre longtemps, je caille là. Une minute. Emilia, j'en ai une trop. Qu'est-ce que tu fous à poil? Je suis pas à poil, je suis en serviette. Ok? Et puis d'abord, qu'est-ce que ça peut te foutre même si j'étais à poil? J'ai quand même bien le droit d'être à poil dans mon bureau, non? C'est bien mon bureau, là. Ah oui. Eh ben alors, on t'a jamais appris qu'on frappait avant d'entrer chez les gens? Hein? Et t'as jamais rien appris, toi, ta mère, à paraître con? Bonjour, l'accueil, hein. Moi qui voulais t'en raconter une bien drôle. Mais elles sont jamais drôles, tes vannes! Dégage! Dégage. Ah, ça fait du bien. Entrez! Oh, Petra! Je vous dérange? Jamais. Si, je vois que je vous dérange. Je repasserai plus tard. Et voilà, pour une fois qu'elle vient dans mon bureau, avec un truc à me dire, je suis à poil au milieu de la pièce, Daniel, tu le crois, ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, regarde. Elle est trop bien pour moi, cette fille. Elle est belle comme c'est pas permis. Elle est déjà commissaire. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'un petit inspecteur? Oh là, oh là, ça y est, hein? C'est pas bientôt fini, là, le bureau des pleurs. T'es là en train de creuser ta tombe, là, comme un coquère sans pattes. C'est pas la SPA, la gonzesse, là. Hein. Ça marche pas au gasoil, des engins pareils. Ce qu'il lui faut, c'est un homme. Alors tu vas te redresser, parce que là, t'as pas vraiment l'air d'un homme, t'as plutôt l'air d'un singe. Redresse-toi! Voilà! Et maintenant, tu vas la voir, tu la penches en arrière, et tu lui enroules une, c'est tout! Soit tu colles une baffe directe, soit tu l'accroches pour 10 ans avec un truc pareil. T'as une chance sur deux. Mais au moins, si ça marche pas, tu le sais tout de suite. C'est un peu comme au tac au tac. Tu grattes et t'as la réponse. Emilien, ça va? Oh, ça va? T'as raison, va. Faut pas s'emmerder. Tac au tac. Je gratte. J'encaisse. Il avait une chance sur deux. Il se rattrapera au tirage. Bon, on s'en est où, ces clés? Fini. Tiens. Tu crois qu'elles vont être fâchées? Je sais pas, moi, une gonzesse arrive avec 17 heures de retard à ton rendez-vous. Tu fais quoi, toi? Ah bah, moi, je la tue, là. Eh ben voilà, tu l'as, ta réponse. Ah ouais, mais on a les fleurs, là, quand même. Oh, les jolies fleurs! Et ça se fume! C'est vous qui avez fait tous ces beaux gâteaux? Ouais. Comme on fait plus l'amour ni l'une ni l'autre, ben on a décidé de se manger sur les gâteaux. Oh là là, quelle crise! Merci Camille. Hein. Grâce à vous, j'ai passé une journée formidable. Au téléphone. Ouais, promis. C'est pour moi les fleurs? Merci, ouais. Salut. Oui, oui. Tu veux pas te faire une petite soirée en tête à tête? Mais t'as des invités, Daniel, faut t'en occuper. On fera ça un autre jour, hein. On est plus à quelques années près. Ah, j'ai mis Camille dans ton lit, elle a mal au dos. Ciao.
garçon. Putain, elle est bonne. Hein. Tu m'étonnes, c'est la Jamaïcaine. Tu vois, il n'y a pas que des désavantages à être dans la police. Hein. Arrête, tu vas me tenter. Et je comprends pas là, pourquoi t'as pas fait la course directement toi plutôt que de faire ça avec un taxi ? Mon père a passé sa vie sur une chaise roulante à cause d'un accident de voiture. Va donc lui expliquer que tu veux être pilote de course toi. Ouais, c'est sûr, c'est pas évident. Bon alors, et toi, comment t'as fait pour tourner aussi mal ? Oh là. Bah moi c'est pas mal non plus. Hein. Mon père est mort quand j'avais 17 ans et on s'est retrouvés comme deux cons, ma mère et moi, sans un rond, donc... Il a bien fallu bosser tout de suite. Hein. Et à bac-2, si tu veux, il n'y a que les flics qui sont preneurs. Hein. T'habitais où ? À Nières. Jules Ferry ? Oui, pourquoi ? Attends, t'es là-bas ? Ouais, je te jure. C'est délire, ça. On aurait pu être dans la même classe. Comme ça, je t'aurais appris à piquer des bécanes, mais t'aurais pas mal tourné. En fait, c'est toujours comme ça la vie. Tu rêves de plein de trucs quand t'es gamin, puis finalement, t'as rien qui se passe comme prévu. Eh ouais. Tu rêves de jouer à l'avant, et on te fout dans les buts. Tu crois que ça va marcher notre plan, Daniel ? Comme sur des roulettes. Vous êtes sûr ? Entrez ! Ça te dérange pas, là ? Non. Là, ça va, là. Et qu'est-ce qui t'amène ? Alors, général ! Messieurs, le plan Cougar est déclenché. Il s'agit cette fois de la SDLM. Voici donc vos positions pour aujourd'hui. Arthur, tu seras en numéro 1 au carrefour Athènes-Canebière. Jackie, en numéro 2, tu seras au carrefour national Flammarion. Momo, tu seras au carrefour de l'évêché. Numéro 2, Manu, un totem clé. Numéro 3, Vincent, un totem clé. Et numéro 4. Tu reviens dans une heure. Exactement. Je t'attendrai chez toi. Ici Cougar. L'oiseau est dans la cage. À la main rouge, blague, on t'en touche pas les gens. Un genou, un genou. Reste à toi. Ici Cougar, l'oiseau va bientôt sortir de sa cage. Préparez-vous à bondir. Merde, ils sont des otages. Ne faites rien pour l'instant. Rien pour l'instant. Désolé, pour toi, il n'y a plus de place. Bah, c'est pas grave, je prends le prochain. Non. J'aime bien meilleure idée. Tu vas courir à côté, hein ? Ça te fera pas de mal. Ah, vous prenez un peu froid, hein ? Putain ! Tous les cougars, bondissez ! Chopez l'oiseau ! Chopez l'oiseau ! C'est pas les Mercedes qu'il fallait suivre. C'est le camion des Mercedes qu'il fallait suivre. Et ça mérite bien un petit toast, la coupe pareille. Et maintenant, tous à la maison. Allez, pousse, pousse, pousse.
c'est parti. T'es prêt? Ouais. 20 points stratégiques bloqués. Il suffit qu'ils croisent une de ces diagonales, ils sont faits comme des rats. Ils prennent le boulevard Michelet. Ils vont tomber sur la place Mazargues. Qu'est-ce qui est au carrefour Mazargues, Michelet? Jean Batte, numéro 7. Préviens-le, ça va être à lui d'ouvrir le bal en premier. Numéro 7, Jean Batte, tu me reçois? Oui, je vous reçois. C'est toi qui vas ouvrir le bal, t'es en position? Oui, je suis en place sans problème. Bon, bah c'est à nous de jouer. Hein. Daniel, ça passe pas là! Mais si, mais si. Alors les Bavaroises, ça marche? Toujours en tracteur? M'excuse pour la dernière fois, mais comme un con, j'avais oublié le frein à main, c'est pour ça que j'avançais pas. Hé, oh, je te parle. Maintenant, ça va beaucoup mieux, là. On se refait un petit lièvre ou vous restez ridicule? Ça va, ça va. Vous, les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. Viens donc avec moi sur l'autoroute, on va voir. Oh, je t'ai vexé, là. Je vais te faire exploser, ta Peugeot. Je t'ai vexé, là. Non, je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Allez, tiens, je te redonne une chance, mais ce coup-là, je vais pas parier gros parce que je commence vraiment à avoir des scrupules à te prendre ton pognon aussi facilement. Tiens, ma poule. 10 balles. Tu vas payer pour ton insolence. Au mieux, être insolent que ridicule. Je crois que ta tête était un peu loin, là. Mais non, allez, préviens cette putain de meuf de passer au rouge. Jean-Marc, tu passes au rouge maintenant. Ok, parfait. Numéro 12 et 13, tenez-vous prêts. Numéro 13, bien reçu, mais j'ai un petit problème là. Il y a deux poulets accrochés au feu rouge. Oh putain de merde. Eh ben, mais décroche-les là. C'est facile à dire, hein. Ils sont bien accrochés là. On arrive au numéro 11, on trouve une solution sinon on est mal. Bon, Polo, vas-y, passez-moi, là. Excusez-moi, monsieur. C'est pour vous. Allô? Commissaire Gibert, brigade anti-gang. On vient de localiser une bombe dans Marseille, elle est juste à côté de vous. Hé hey. Où ça? Dans le feu rouge. Bon, surtout, vous affolez pas, on sait comment arrêter le mécanisme. Ah. Bon, écoutez-moi bien, là. Vous mettez la clé dans le boîtier et faites passer le feu au rouge. Mais le feu est déjà sur le rouge. Mais vous occupez pas de la couleur du feu, bordel. Glissez la clé dans le boîtier et tournez-la vers la droite, c'est clair? Ouais. Ouais, monsieur le commissaire. On vient de passer le numéro 12. Bon, on se dépêche, là, on se dépêche. Vous permettez? Numéro 19 et 20, tenez-vous prêts là. Tu sais qu'après 20, il n'y a plus rien. Ouais, je sais. T'es sûr que c'est la route là? C'est un raccourci.
Aïe, 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 Sylvain sur l'autoroute, il est mort. On a plus de puissance. Ça va pas du tout en fait. T'en as plus pour très longtemps. C'est ça qui m'inquiète, je veux vivre longtemps moi Daniel. Encore 10 secondes. Mange-moi ce rat. Faut que t'arrêtes parce qu'il n'y a pas de pont là. 5 secondes. Vas-y, bouffe-la, bouffe-la. Daniel arrête tout, je te supplie, là, laisse-les gagner merde. Putain mais t'as parié que 10 balles là, on va pas mourir pour 10 balles là. C'est aujourd'hui ou jamais, accroche-toi. Oh, je te jure que tu m'as fait une de ces frayeurs, là. Tu sais que j'ai vraiment cru que tu préférais mourir plutôt que de te laisser doubler, là. Allez, relire le lire et la tortue. C'est toujours la tortue qui gagne. Hé, hey, Einstein, la fontaine, tu te mets. Verdammte Scheiße noch! Verdammte Scheiße! Verdammte! Ich tot, ich kette! Putain, ce gros lièvre, pas content du tout de cette VMF barbedite d'ordure! C'est le cougar qui va être content depuis les temps qu'il rêvait des manchés du Zivet! Ya, ya, gros Zivet! Gros Zivet! Je suis désolé pour l'endroit. C'est pas très romantique, hein. Mais j'avais trop envie. Ah bon? T'avais envie, j'ai pas senti. On fait la revanche? Non. On fera ça plus tard. Je crois qu'il faut vraiment qu'on y aille. Daniel, qu'est-ce que tu fais là? Mais ça fait un quart d'heure que je te cherche. Vous faisiez quoi là tous les deux dans le noir? On développait des photos. Des photos? Mais enfin, mais c'est pas le moment de développer des photos. Là, il y a le préfet qui nous attend. Au nom du président de la République, j'ai l'honneur de vous remettre l'insigne de chevalier de l'Ordre national du mérite. Félicitations. Je vous dois des excuses, Emilien. Pour pas m'avoir cru ou pour m'avoir mis une baffe? Les deux. Comment pourrais-je me faire pardonner? On va trouver. J'ai lu le récit de vos exploits. Étonnant. Cette expérience nous a donné à beaucoup à réfléchir. Merci. Et nous allons modifier complètement notre approche de la route, créer une nouvelle dimension policière, plus efficace, plus moderne. Et tout ça grâce à vous. Merci, monsieur. Bien évidemment, cette médaille n'est qu'un symbole. Ce n'est pas elle qui va effacer votre ardoise et vous redonner votre permis.
Bah, je m'attendais un peu plus de Clémence. Oui, tout à fait. Mais nous en avons. On a de quoi vous mettre au trou pour quelques années et vous êtes libre. Je suis pas libre, je suis à pied. Je comprends. Sans voiture, vous êtes comme un orphelin. Ouais, ouais, c'est ça, un orphelin à pied. Je comprends. J'aurais bien une solution, mais je ne suis pas sûr qu'elle vous convienne. Dites toujours, on verra bien. Bon alors ça va, t'es heureux là? Ben ouais. Quoi, t'es pas heureux? Si, si, ça va super. Attends, je comprends pas là. Premier Grand Prix, première ligne, t'as une caisse d'enfer, tes potes et ta gonzesse pour te soutenir, qu'est-ce qu'il te faut de plus là, Daniel? Un autre sponsor! Eh ben voilà, on lui trouve du pognon, une caisse et tout, et monsieur n'est pas content. Dis-leur qu'elles arrêtent de gesticuler là, les pom-pom girls, parce que ça me déconcentre. Eh, tu sais quoi? Moi, il y a un truc que tu pourrais faire qui me ferait vachement plaisir. Ah ouais, c'est quoi? C'est que tu gagnes cette putain de course, parce que nous, on en a rien à cirer de ce qui est marqué sur ta bagnole. Ok, alors sors le champagne du frigo, parce que c'est pas bon quand c'est trop froid. C'est pas pour tchatcher, mais tester, savoir jusqu'où la critique peut aller. J'ai adopté le rap comme sport.